Bonjour à tous les amis, comment allez-vous? Bah écoutez, moi ça va très bien. On se retrouve aujourd'hui pour un nouvel épisode sur Space Engineer. Alors aujourd'hui, on va se faire une nouvelle partie en solo. Ma partie qui est donc jouons farming, ça c'est ma partie en multijoueur avec mon équipe. Donc aujourd'hui, on va se faire une nouvelle partie. D'ailleurs, je vois que je suis à 130 images secondes. Alors comment est-ce que c'est possible? J'en sais strictement rien. Mais faut croire, parce que quand j'ai pas lancé frappe, ça avait marqué 1700. Alors je sais pas si c'est un bug, si c'est un bug du jeu ou autre, je sais pas. Mais bon, c'est pas grave, on va faire avec. Alors comme nom, on va mettre le simulateur alsacien, parfait. On va se mettre donc en mode survie. Taille de l'inventaire x10, on va tout mettre en x10 parce que c'est quand même plus rapide, surtout que je suis en ligne, enfin que je suis en solo. On va se mettre en mode hors ligne, comme ça on est tranquille. Les objets max, on va donc se mettre, on va laisser comme ça, 256, on va peut-être réduire un petit peu, voilà. On va se mettre en mode sûr, nombre d'astéroïdes, on va se mettre 4, vaisseau cargo, on va se les garder. Sauvegarde automatique, on va le garder également. Arme activée, soins auto. Voilà. Alors maintenant, comment est-ce qu'on va démarrer? J'ai pas envie de démarrer dans un monde vide ou alors tout seul dans un simple vaisseau. J'ai bien envie de démarrer avec déjà une petite structure, histoire d'au moins avoir un petit quelque chose. Démarrer dans une station d'astéroïdes verte avec plusieurs grands vaisseaux et petits vaisseaux. C'est une grande scène. D'accord, là on a quoi? Démarrer sur une plateforme d'astéroïdes avec un grand vaisseau et deux petits vaisseaux. Ok. Survivant solitaire. Démarrer sur une plateforme d'astéroïdes abandonnée sans vaisseau, vous devez partir de rien. Vaisseau rouge écrasé. Ok, donc celui-là ne fonctionne plus apparemment. À deux équipes. Donc écoutez, j'ai bien envie de démarrer sur une plateforme d'astéroïdes avec un grand vaisseau et deux petits vaisseaux. Là, on a plusieurs vaisseaux et deux petits vaisseaux. J'ai bien envie de prendre celui-là. Voilà. Ok. On est parti. J'ai bien envie de prendre celui-là parce qu'en fait, j'ai dans cette partie en solo, j'ai envie donc, là, vu que je suis en survie, hein, il faudra quand même qu'on cherche toutes nos ressources et tout. Mais le fait d'avoir une base me permettra de forer un peu plus vite et tout ça. Parce que là, l'objectif que j'ai, c'est vraiment donc, alors, attendez voir. Tac, que je me remette dans le bain, ça, on s'en fout. Putain, c'est quoi nouveau pour changer de vue? Oh merde alors, c'est quelle touche pour changer de vue? Waouh, les vaisseaux qu'il y a là, laisse tomber. Ça c'est les jetpacks, on s'en fout. Ah voilà, c'est bon, j'ai retrouvé. Donc ce truc là j'avais jamais fait. Donc là visiblement nous avons un vaisseau de guerre, un vaisseau foreur. Et là nous avons un vaisseau. Qu'est-ce que c'est comme vaisseau? Un vaisseau soudeur, non? J'ai l'impression que c'est un vaisseau soudeur. Mais alors la... Ah ok, le cockpit est ici. J'étais en train de me dire où est-ce qu'on rentre dans le bordel. On va l'allumer le machin. Y. Voilà. Faisons voir K. Non, c'est pas K, faut faire G. Nous avons donc une meuleuse. Ah voilà, c'est un vaisseau soudeur. Ça peut être pas mal. Donc si je me mets en deux. Non, c'était pas ça, c'est ça. Nous pouvons donc souder avec. Ok, on peut casser. Excellent. C'est un vaisseau que je voulais réaliser avec mon équipe. Mais c'est pas forcément évident. 96 jours de carburant. D'accord. Ok. Alors, nous allons sortir de cet engin là. Donc, ici nous avons. Non. Nous avons donc notre vaisseau foreur et là nous avons notre vaisseau de guerre. Et là-haut nous avons un vaisseau qui est visiblement abandonné.
Allons voir qu'est-ce que c'est comme vaisseau. Je suis curieux de voir ce que c'est comme vaisseau, ce truc-là. Je sais que je l'avais déjà vu en partie, je sais pas, je savais d'ailleurs pas ce qu'il foutait là tout seul, ce vaisseau. Mais si c'est un vaisseau qui est... Ça m'a l'air d'être un petit... Ça m'a l'air d'être un vaisseau de guerre, tout simplement. Donc visiblement, on a également de quoi raffiner et tout avec. Hop, mets-toi droit. Alors, là, nous avons une jolie passerelle, d'accord. Hop là. Là, nous avons quoi ici? Une mitrailleuse, apparemment. Non, c'est K. Hop. Tourelle d'intérieur, d'accord? Alors. Tourne. Merde, c'est pas cette touche, c'est ça. Alors maintenant, il faudrait encore que j'arrive à trouver le cockpit pour voir si cet engin décolle. Ah, le voilà, le cockpit. Laisse-moi passer, s'il te plaît. Démarrons l'engin. Ah, il ne tourne pas visiblement. Les gyroscopes doivent déconner, je pense. Parce que je n'arrive pas. Ah si, on y arrive, mais vraiment doucement. Non, c'est la touche. Fais-moi voir ça en route. Pour descendre, c'est la touche C. On va se le prendre, ce vaisseau, si déjà. Et si je fais G? Ah ouais, d'accord, on a un lance-missile sur le machin. Le lance-missile n'a plus de munitions, d'accord. Donc nous allons continuer de descendre. Si déjà, on va le ramener à notre base. Et je pense qu'on va aller forer. On va aller essayer de se forer du minerai et tout ça. De toute façon, je pense que le vaisseau, plus il est gros, plus il va être dur à manier, c'est normal. Ouais, il va être dur à manier. Comme ça, en fait, là, l'objectif, certes, j'ai déjà des vaisseaux et tout, donc on va me dire, ouais, mais si t'as déjà des vaisseaux, qu'est-ce que tu veux faire dans le jeu? Ben, en fait, moi, ce que j'aimerais faire, c'est tout simple. J'aimerais tout simplement crafter une super belle station. Faire un beau truc, une super belle station. Et ensuite, j'aimerais bien voir pour me faire des nouveaux vaisseaux, genre vaisseau cargo et tout ça. Il y a de toute façon dans ce jeu, il y a tellement d'imagination possible que c'est vraiment. Je peux pas passer par là? Ah non, il y a une vitre, merde. Il y a tellement d'imagination possible dans ce jeu que on s'amuse bien, quoi, je veux dire. On ne peut pas s'ennuyer dans un jeu comme ça, quoi, je veux dire. C'est impossible. Donc c'est pour ça que n'hésitez pas à me dire si vous avez des idées, des... Hop, t'arrêtes-toi. Allez. Si vous avez des idées, hein, peu importe quoi, n'hésitez pas à me le dire. Déjà, je pense que cette plateforme-là, déjà, qu'est-ce qu'il y a là-dedans, là? Qu'est-ce que c'est que ça? Ça m'a l'air d'être... Alors attendez voir. Allons voir l'installation. On peut voir qu'il y a des trucs à faire. Il y a de la soudure et tout encore à faire. Visiblement, il y a un collecteur de ressources. Attends voir si je fais une fois T. Un connecteur. Donc le connecteur, il passe donc dans le petit conteneur. Et après, ça part vers l'assembleur. Et ça descend là-bas. Et là, nous avons un cargo conteneur, un énorme truc visiblement. Donc, on peut voir qu'on a encore de quoi faire. Mais j'ai l'impression que. Allons voir une fois. Tac. Qu'est-ce qu'on a en réserve? On a du carburant, nickel. Nous avons donc la raffinerie et l'assembleur. Donc, on n'a rien, on n'a pas de ressources. Je vais juste aller contrôler le panneau de. Truc pour voir, j'ai du carburant pour un jour. Ok. Donc là, ce qu'il faut qu'on aille faire en priorité, c'est qu'il faut qu'on aille miner pour pouvoir. Qu'est-ce que c'est ça? Conteneur de munitions. D'accord. Qu'on a déjà de quoi faire la guerre, c'est déjà pas mal. On va donc aller miner quelque part. On va voir si on trouve quelque chose. Alors j'espère que celui-là, il a de la lumière un peu potable. Mettons-nous voir en vue comme ceci. Hop là. Nous avons du... Oh putain, arrête-toi.
Ouh là là. Nous avons du silicium, du nickel, de l'iron. Nous avons pas mal de choses. Bon. J'ai foreuse. On va se mettre ça là. Ça, tu dégages. Ok. Donc, on va se mettre peut-être en vue comme ça. Est-ce que je peux rentrer dans les caractéristiques du vaisseau? Panneau de contrôle. Où est-ce que j'ai mes lumières? Spotlight 1. Hop. Intensité. Hop. Intensité. Voilà. Ah, bah maintenant, j'ai envie de dire que ça éclaire, les amis. Qu'on va commencer à forer. Qu'on peut voir que c'est sympa, vraiment sympa dans ce jeu. Moi, j'aime bien. J'aime vraiment y jouer parce qu'on a vraiment la possibilité de faire des crafts, des superbes crafts. J'ai même Célian qui est venu à la maison, qui l'a essayé, qui était quand même assez, il était quand même sympa, impressionné. Il aimait bien le jeu, on va dire. Donc c'est quand même sympa. Alors nous avons de l'or à 50 mètres. Si je pouvais également trouver de l'uranium, ça pourrait être aussi pas mal. Que là on fore, on fore, on fore, on fore. Ah, nous arrivons au silicium doucement là. J'ai l'impression que le forage a été amélioré dans une mise à jour parce que c'est vrai que quand on forait, c'était la limite du chiant de forer avec un vaisseau parce que le vaisseau il bougeait tellement que c'était vraiment super casse-bonbon de forer. Alors que là, visiblement, ça a l'air d'être assez. Ça m'a l'air d'être quand même mieux géré. Je galère pas trop à forer. Qu'après, il faut voir que mon vaisseau ne bouge pas non plus des masses. Alors que je vous assure qu'il y a un petit moment de ça, quand vous le faisiez, laissez tomber, c'était vraiment le bordel. Le vaisseau il bougeait tellement qu'il se cognait partout. Donc ça, c'est la partie en mode survie que j'ai fait avec Kevin et Thomas. Je vous expliquais même pas le bordel, c'était carrément chiant en fait. Alors, nous sommes où? Il faut que je casse un petit peu l'entrée là parce que. Parce que le problème quand on est au vaisseau foreur, c'est toujours pareil. Et ben c'est que quand vous caissez l'entrée, après vous pouvez pas forcément bouger. Nous avons de l'or, de l'iron. Donc nous avons pas mal de choses. Allez, creuse, tape dedans. Ouais, qu'on trouve un petit peu pas mal de ressources et on va chercher du fer également pour qu'on puisse le faire travailler et qu'on puisse terminer de souder. Si déjà on va tester le vaisseau soudeur que je n'ai jamais essayé d'ailleurs. J'étais en train d'en crafter un dans l'autre partie que j'avais. Je l'avais pas encore fini. Donc c'est pour vous dire à quel point c'était quand même assez long de se faire un vaisseau. Parce qu'il faut pas croire, les vaisseaux que vous avez d'origine là, il faut quand même un pas mal de. Enfin, peut-être pas non plus des heures et des heures, mais il faut quand même du temps pour les faire. Ça ne se fait pas non plus comme ça, juste en claquant des doigts. Hein. Si c'est la question que vous vous posez. Alors, on va une fois faire le tour un peu de l'astéroïde. Pour voir un petit peu qu'est-ce qu'il dit. Magnésium. De l'or. Merde, c'est pas ça. Non, c'était pas ça non plus. C'était la touche C. Ok, nous avons donc. Nous avons de l'eau, de l'iron, du gold, du nickel. Ouais, de l'iron, du nickel, du magnésium. Nous avons. J'ai du cobalt, tiens. J'ai pas l'impression que cet astéroïde a du fer. Et de l'uranium. Donc ce qu'on va faire, on va. Hop là. Nous allons partir sur cet astéroïde-là parce que là j'ai déjà l'impression que j'en vois. Là nous avons du fer. Et je crois même, c'est quoi cette tache noire là? C'est un trou ou. Ouais, c'est un trou. Là. Je peux déjà vous assurer qu'il y a du fer. Donc ça c'est déjà pas mal. S'il y a du fer, on va déjà au moins pouvoir faire nos plaques de fer. Pour qu'on puisse au moins
qu'on puisse au moins faire finir la plateforme, ça peut être pas mal. Donc c'est vrai qu'elle éclaire assez fort les lampes, mais comme ça au moins je vois ce que je fais en fait. Est-ce que c'est moi ou j'ai de l'uranium qui vient avec? Les trucs noirs qui volent, j'ai l'impression que c'est de l'uranium ça, non? C'est pas du... Ça, j'ai pas l'impression que c'est du... de la pierre, si? Ce qu'on va faire, pour être sûr, je vais jeter un œil. Alors, T. Voyons voir. Descends. Non, remonte. Hop là. K. On n'a rien dans la foreuse. Alors, est-ce que c'est venu se foutre là-dedans directement? Je sais pas. Ouais, conteneur de marchandises moyen. Nous avons de la pierre. Du silicium et du fer. Non, 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 il n'y a pas d'uranium. Hein. C'est quoi ça? Un éjecteur. D'accord. Ouais, c'est pour décharger le bordel, je crois. Ouais, 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 je vois un peu le truc. C'est pour le décharger directement, en fait. Ok. Remontons dans le cockpit. Il nous dit... Hop là. Alors, ce qui est bizarre, c'est qu'ils nous disent vraiment pas où est-ce que... Tout simplement, où est-ce qu'on a du... Je cherche le nom du magnésium... Non, pas du magnésium, de l'uranium, voilà. Ça, c'est vrai que c'est une ressource que je cherche particulièrement. Et visiblement, j'ai pas encore trouvé. Bon, on en a pour 9 jours de carburant, là, en forant, donc ça va le faire. Ça devrait le faire. Alors après, pour les personnes qui n'aiment pas, par exemple, spécialement le type de mode survie, vous pouvez très bien faire un mode créatif hein, à la Minecraft. Hein. Vous avez vos ressources en infini, vous pouvez crafter tout ce que vous voulez sans aucun problème. Ça, il n'y a pas de souci. C'est un jeu qui est quand même régulièrement mis à jour, qui est quand même entretenu, j'ai envie de dire. Alors n'ayez pas peur, hein, je veux dire, c'est un jeu où vous pourrez passer des heures et des heures dessus. Après, c'est comme tout, il y a un petit temps d'adaptation pour avoir les... Pour prendre des contrôles en main, j'ai envie de dire. Mais une fois que vous avez les contrôles en main, c'est vraiment du détail hein, pour jouer avec. Vous y faites tellement facilement que vous pouvez bien jouer. Voilà. Ça, c'était la petite parenthèse que je voulais dire. Alors, on va taper là-dedans. Et en même temps, le fait de jouer en solo, parce qu'avec Tom, on galérait sur genre le système de convoyeur et tout ça. C'est vrai qu'on galérait pas mal. Le fait des fois de jouer comme ça en solo, oups là, le fait de jouer en solo, des fois, ça permet de tout simplement... Attendez voir. Détecteur de minerai. Non, c'est pas ça que je voulais, c'était... Spotlight, on va réduire un peu l'intensité. Ah, c'est déjà mieux comme ça. Allez, c'est parti, continue de taper dedans un peu. Donc on va pas faire que forêt, ne vous en faites pas. Je crois que je suis bloqué là. Que là on a déjà foré un petit peu. Donc je pense que... Oh là. Oula. Je pense que ce que nous allons faire, c'est que on va tout simplement essayer de transvaser notre marchandise dans le système de convoyeur. Oh putain, je vais me bouffer le vaisseau encore. Mes gaz. Hop là. En fait, je suis carrément à l'envers du vaisseau. Hop là. C'est bon. Allez, on y est. Alors, j'en déduis qu'il faut venir là. Enfin, c'est une déduction que j'en fais. Après, je sais pas du tout comment ça marche. Hein. Je vous avoue que je sais pas. Théoriquement, c'est comme ça que je vois l'affaire. Est-ce que je suis devant là? Non.
Alors attendez voir. Parce que là, ça passerait dans quoi? Dans le cargo conteneur. Ok. Ça passerait là-dedans, ça passerait là, ça dégagerait au conteneur, ça descendrait dans ce qu'on appelle cargo conteneur, mais ça ne viendrait pas à la raffinerie. Ou bien? Parce que c'est à la raffinerie que ça doit aller en fait. Non, mais en fait, je me suis planté. Et là, nous avons une tourelle automatique apparemment qui bouge. Ouais. Non, c'est pas là qu'il faut aller, c'est là-haut qu'il faut que j'aille en fait. Je sais pas, je me suis planté, c'est pas grave. Alors, T. Quoi, non, on va y aller doucement, les amis. J'ai pas envie de tout péter avec mon vaisseau. Alors, que je raconte pas de conneries, la raffinerie, c'est celui qui est là. Ouais. Donc, F. Vas-y, monte avec ton vaisseau. Merde. Alors peut-être, je dis bien peut-être qu'il faut faire ça. Voilà, je sais pas, j'essaye, hein, j'expérimente. Hein. Oh putain. Non, c'est... Voilà. Alors, voyons voir. Inventaire. Non, pas notre contrôle. Production, info. Afficher les inventaires connectés au vaisseau ou à la station. Alors, ça, c'est quoi? Ok, ça, c'est le conteneur du machin. Donc, théoriquement, si je chope la pierre, je fais... Ah, c'est peut-être là qu'il faut que je la chope. Éjecteur 3, c'est peut-être ça. Que ça, c'est pour faire descendre, en fait. Ah! Si je mets la pierre dans la foreuse et je fais ça, ça le fout dedans. Alors maintenant, je vais regarder que ce que je suis en train de faire, ça va bien dans la raffinerie, si vous voyez ce que je veux dire. Ah ouais, c'est aller à la raffinerie, visiblement. Ou c'est aller au conteneur. Convoyeur. Ouais. J'ai l'impression qu'il y a quelque chose qui se fait. C'est moi ou j'ai vu? Attendez, voir. Retournons à la raffinerie. K. Nous avons du fer. Ok. L'assembleur est là. Tac. Production. Hop. Plaque de fer. Produis-moi des plaques de fer. Nous avons besoin de souder. Visiblement, ils m'ont fait je ne sais pas combien. Ok, il m'en a fait 115, nickel. Alors maintenant, on va tester le vaisseau Muller, là, j'ai envie de dire. Je sais pas comment on dit ça, mais... Est-ce qu'il faut jeter là-dedans? Alors, K, tac, tac. Je pense que c'est rentré dedans. Hein. Non, c'est pas ça. C'est hop. Alors. Oula. Oh putain, il soude deux plaques lui.
Ah ouais, il soude carrément deux plaques en fait. Pas mal. Ah ouais, c'est pas mal, il soude carrément deux plaques. Donc ça, c'est le genre de vaisseau qui est vraiment sympa et le système de convoyeur, ça doit aussi s'exploiter, mais je dois vous avouer que je ne sais pas encore comment. Parce que c'est vrai que j'ai des heures de jeu, mais j'en ai pas non plus des heures à tout savoir, parce que c'est un jeu où vous apprenez tellement de choses en fait que c'est techniquement pas possible de tout savoir. Mais bon, il faut tout pour apprendre. Ah, soude-moi ça, s'il te plaît. J'ai peut-être plus de ferraille. Hein. J'ai peut-être plus de ferraille dedans. Ah non, il en reste que 8. D'accord. Donc même moi, je peux pas souder théoriquement. Non, c'est pas ça que je voulais. C'est tac, 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 tac. Je n'ai plus du tout de matériaux. Ok. Donc là, je sais pas trop comment ça marche cette affaire là. Il y a quoi là-dedans? Ok. Je vais faire comme ça parce que hop, je vous avouerai que. Non, fais une marche arrière. Hop là, raffinerie. K. Allez, fais traiter le fer, le silicium. Allez, on monte. K. Bon, la pierre, ça sert pas trop à grand-chose, hein. J'ai pas trouvé en fait encore, si jamais vous avez le jeu et si vous savez à quoi sert le gravier, n'hésitez pas à me le dire parce que ça, je dois vous avouer que je sais pas du tout, mais alors pas du tout à quoi ça sert quoi, c'est ça doit servir à quelque chose, c'est sûr, mais alors à quoi? Alors attends, non, c'est pas du tout ça ce que je voulais. Voilà, c'est descendre que je voulais. Alors, redescendons. Attendez voir, qu'est-ce qu'il me disait là? Ah, c'est parce que j'ai le soudeur. Qui a du fer. Allez, on remonte. Oui, parce que c'est sûr que le vider à chaque fois, c'est pas du tout, mais alors pas du tout pratique, quoi. Mais je pense qu'il doit y avoir quelque chose, hein. Ça c'est sûr et certain, parce que c'est un jeu qui est tellement complet que il y a forcément de quoi faire. Après, c'est juste qu'il faut trouver tout simplement. J'ai nouveau un petit peu de mal avec les contrôles, mais ça commence à venir, nouveau. C'est vrai que ça faisait un petit moment que j'avais pas pu jouer au jeu, mais maintenant c'est vrai que je vais m'y remettre. Préférence, on va faire passer le fer d'abord. Comme ça me fait des plaques de fer. Ah, ça va dans l'assembleur automatiquement. Et ça me fait. Par contre, on va peut-être arrêter la production de plaques de fer. Voilà. Parce que tout simplement, je sais pas. Je vais pas forcément avoir besoin d'autant de plaques en fait, c'est tout. Donc des fois j'aime bien souder à la main, hein. Je veux dire voilà, j'aime bien un petit peu changer, varier les plaisirs on va dire. Hop, par contre vu que je suis un petit peu perfectionniste sur les bords, je vais d'abord finir de souder ça. Vous avez besoin de plaquage d'intérieur. Ok, donc il faudra que je fasse des plaquages d'intérieur. Bon, déjà on s'occupera de ça un peu plus tard, maintenant comme dit. Je vais m'occuper de souder ce qu'il y a à faire. F. Voilà.
Ok, continuons. Écoutez, on va terminer de faire un petit peu de la soudure ensemble, histoire de pouvoir un petit peu voir. Alors moi, je compte sur vous. Juste avant de vous laisser, le jour où je m'y connaîtrai vraiment à fond dans le jeu, je ferai sans aucun problème, je ferai sans aucun souci, un truc où je pars vraiment de rien. Voilà. Mais tant que je ne l'ai pas entièrement en main, je préfère faire comme je fais parce que ça me permet tout simplement de pouvoir un petit peu voir les crafts possibles, comment le faire, etc. etc. Alors c'est pour ça que je prends cette partie-là, hein. C'est pas du tout parce que j'ai pas envie de le faire, c'est juste parce que j'aime bien apprendre à le faire. Alors n'hésitez pas dans les commentaires à me dire qu'est-ce que si vous jouez au jeu, si vous avez des idées, si vous avez peut-être déjà fait des choses qu'il n'y a pas là que je pourrais faire qui sont sympas. N'hésitez pas à me le dire, moi j'essayerai sans aucun problème de le faire. Là-dessus, il n'y a aucun problème. Si vous avez même tout simplement des simples idées à faire, n'hésitez pas à me le dire non plus. Alors je sais pas, mais moi je pensais peut-être voir pour agrandir la plateforme avec le vaisseau soudeur. Si je fais énormément de plaques de fer, ça devrait aller assez vite, hein, pour souder. Je pensais ouais vraiment agrandir la plateforme. Et je pensais carrément pourquoi pas faire. Bah, je vais vous montrer, vous me direz ce que vous en pensez. Je pensais pourquoi pas, vu que là elle est quand même assez. On va prendre le jetpack, comme ça on la verra de vue aérienne. Voilà. Vu que là elle est quand même assez chargée. Je pensais pourquoi pas carrément fermer la plateforme à un endroit. Vous savez, faire un étage en fait. Faire carrément un étage pour que si une fois je mets des pluies de météorites, que ça me protège quand même un petit peu le bordel. Alors peut-être pas fermer au niveau de là où j'ai tout ce truc-là. Mais pourquoi pas fermer là où il y a le cockpit au-dessus, faire monter, fermer et tout ça, ça pourrait être pas mal, mettre des tourelles en place et tout ça. Élargir un petit peu la base sur les côtés, quoi, par exemple ici, l'agrandir encore et pourquoi pas même l'agrandir là. Remplir carrément ici en fait, pour l'agrandir, ça pourrait être pas mal. Qu'est-ce qu'il y a en dessous? Ah ouais, il y a carrément aussi tout un système de convoyeurs là. Là, il y a quoi au-dessus? D'accord. Il faut vraiment que je me renseigne avec ce système de convoyeur parce que s'il y en a, c'est que ça doit vraiment bien fonctionner. Alors, on verra déjà. Bah écoutez, moi j'espère que cette vidéo vous aura plu. En tout cas, moi ça m'a fait vraiment plaisir de jouer sur Space Engineers avec vous. Comme dit, je compte sur vous pour me dire dans les commentaires qu'est-ce qui, si vous avez des idées et tout ça, n'hésitez pas à me le dire, je le ferai sans aucun souci. Voilà. Et bah je vous dis à bientôt pour le prochain épisode. Allez, salut tout le monde!